l'action et elles sont malines. Elles vont viser le point faible, le point faible des mâles. Ce sont les parties génitales. Donc, effectivement, c'est pas toujours très rigolo pour les mâles bonobos. Donc ils ont plutôt intérêt à se tenir correctement et à respecter les règles dans le groupe. Alors, la doyenne du groupe, elle est ici. Cette femelle fait presque 46 ans, en septembre. Voilà, vous voyez, les femelles commencent à essayer de venir soit le calmer. Voilà, là, elle vient de venir à sec. Vous avez vu ce geste avec la main, là? Elle en a assez. Là, c'est que des garçons, les filles. Alors là, c'est un, je ne vais pas du tout traduire ce que moi je comprends. La femelle qui se met debout, qui tend la main vers l'autre là-bas, elle dit viens avec moi, on va y aller toutes les deux, on va lui expliquer qu'il y en a assez maintenant, on l'entend crier depuis 2 jours. Et puis elles peuvent être rejointes du coup par d'autres femelles. Ce mâle-là, il en profite un petit peu parce que c'est le fils de la chef. Donc quand on est fils de la reine, et bah, du coup, on est un petit peu plus protégé que les autres mâles. C'est pas juste, hein. Et moi, la dame n'a pas encore fini de leur donner. Alors, je vais leur donner les croquettes, ça va peut-être ou les énerver davantage, ou les calmer. Vous voyez, quand elle dit arrête. Allez, on mange.